Pour la recette, il va nous falloir 200 g de Nutella, 100 g de coco râpé et 50 g de cacao en poudre. Donc la recette est super facile. Dans la coco râpée, je mets donc au total 2 cuillères à café de cacao en poudre. Ensuite, j'y verse mon Nutella. Alors dans cette recette, si vous le souhaitez, vous pouvez y mettre une pincée de sel. Voilà, pour un peu plus de gourmandise. Et maintenant, on va mélanger tout ça à la cuillère en bois. Je place mon mélange au congélateur pour à peu près 15 minutes. Alors, dans mon plat, je viens y tamiser le cacao en poudre. Alors, s'il reste des petits morceaux, on vient les écraser donc avec la cuillère pour en extraire le maximum. Ensuite, avec ma cuillère, je viens prélever donc des petits morceaux pour essayer d'en faire une boule. Alors bien évidemment, quand on fait cette opération, on a les mains bien propres. Alors on le roule dans le cacao en poudre et on continue donc ainsi de suite. Alors on essaie de faire des tailles régulières. Et on roule. Alors je vais faire donc le restant de mes truffes et on se retrouve tout de suite. Donc là l'idée c'était vraiment de vous montrer comment faire des truffes donc de manière facile et rapide. Alors on va passer immédiatement à la dégustation. On a un très bon goût de Nutella, grâce à la coco râpée, on a un très bon équilibre donc en sucre. Donc cette recette, je vous conseille vraiment de la refaire.